Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice qui s'appelle l'exercice du serveur. J'utilise beaucoup chez les jeunes en échauffement, donc quand je l'utilise en groupe, c'est sans matériel. C'est un exercice qui va inciter les sportifs à prendre conscience de l'ancrage qu'ils ont avec le sol et de mobiliser toute la colonne et tout le corps. Donc c'est un prétexte en fait à l'échauffement et à avoir de bons repères au niveau de son schéma corporel et puis de la disposition dans l'espace. Le principe de cet exercice est de faire comme si on était un serveur qui tient un plateau, et la consigne est de passer le plateau sous le bras et de le passer au-dessus de la tête, et tout ça sans faire tomber son plateau. Je le fais régulièrement sans aucun matériel, mais aujourd'hui, pour l'exercice, et cette fois-ci, on va utiliser du matériel. Donc pour le faire, le matériel indispensable, c'est un plateau et un verre en plastique, je précise. Plusieurs niveaux pour ce défi. Il va y avoir un niveau débutant. Donc le niveau débutant, il va se contenter d'avoir le plateau pour exécuter l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure, et un niveau expert. Donc l'expert va poser le verre sur le plateau. Le but du jeu va être de passer ce plateau et ce verre sous le bras, de le passer au-dessus de la tête et de revenir, et tout ça sans faire tomber ce que le serveur a dans sa main. Il va y avoir différentes modalités pour exécuter cet exercice. Sur les deux pieds ou uniquement sur un seul pied. Le défi, ça va être de valider le niveau le plus haut possible, sachant qu'il y a un niveau expert plus qui va être niveau expert plus fermer les yeux. Voilà. Donc on va passer sur le terrain pour voir ce que ça donne en image. Une fois que l'exercice est maîtrisé, on se rend compte que souvent on choisit une main ou un pied d'appui, et l'idée c'est de changer cette main. On a le plateau, prendre l'autre main et aussi changer le pied d'appui si on fait la modalité sur un seul pied, et de croiser, de faire main droite en appui sur le pied droit, main droite en appui sur le pied gauche, main gauche en appui sur le pied gauche, main gauche en appui sur le pied droit. Et pareil, en multipliant les contraintes, yeux fermés, instabilité et tout ce qui peut vous passer par la tête. On a Romain Desgranges qui nous a proposé un niveau expert plus avec, au lieu de fermer les yeux, faire une modalité avec de l'instabilité. Et l'exercice sur un pied sur un Swiss ball. Fanny qui nous a présenté l'exercice expert plus en multipliant le nombre de verres et la taille du plateau pour rendre l'exercice encore plus difficile. Il peut être aussi inclus dans des sessions de préparation physique, et ça peut être aussi l'occasion de voir des pistes de travail pour le sportif. On peut cumuler les contraintes pour pousser le sportif là où il n'a pas l'habitude d'aller, et de voir s'il n'y a pas des pistes de travail à mettre en place.